Alors bonjour euh, mes chers amis, bonjour à toutes et à tous, euh, bonjour euh, ch chers fils bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui euh, on va vous montrer une méthode euh, quinté en matelé. Cette vidéo il sera un peu long, ça vous prend, ça vaut la peine vraiment de l'écouter, de comprendre. Euh, voilà, ça ne concerne pas le pronostic, ça concerne une méthode de quinté. Donc, je ne je suis pas là pour donner un pronostic, je suis là pour vous donner une méthode quintée qui sert en athlète. Je précise tout de suite cette méthode n'est utilisée jamais en plat ou les haies ou les steeple cheese. Ou, non, c'est juste uniquement l'athlète. C'est une méthode qui est très efficace, une méthode qui marche vraiment. Vous allez l'appliquer, l'utiliser, euh, travailler avec. À l'avenir et vous allez voir, vous allez pouvoir juger vous-même. Moi, je dirais qu'il a un taux de réussite de 70 C'est quand même énorme, 70 Franchement, c'est énorme. Euh, 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 si vous voulez, sans plus exagérer, je dirais même euh, 75, mais moi ou 80, mais moi j'enlève toujours les 5-10 Le PMU, euh, les courses, c'est pas une science exacte. C'est jamais. Euh, c'est jamais sûr. Des fois, on a un grand favori, un virgule, qu'au sûr, boum, il n'est même pas là, il s'agit de tout le monde. Soyons clairs et nets. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Cette méthode Quintet que je vais vous délivrer aujourd'hui, je voulais vous la faire hier, en même temps avec le, le, le prono, mais euh, dommage, je n'ai pas eu euh, le temps. Donc, ce n'est pas grave, on va la faire, euh, ça sera prêt pour ce soir. Voilà, vous prenez le moteur recherche, recherche Google, vous venez là, vous cliquez Turf, vous écrivez Turf Info, comme ça. Voilà, vous cherchez, ça va vous donner, vous donner cette page. Vous descendez, vous prenez ce lien-là, pronostic Turf Info. Ça va vous sortir cette page-là. Aujourd'hui, regardez très bien, on est le 6-8-2020. Donc, c'est pour aujourd'hui. Là en haut, vous voyez le petit lien qui est juste là. Le petit lien, ben, vous cliquez dedans. Offert par, vous cliquez dedans. Voilà. Ça va vous sortir ça. Liste récapitulative. Une liste récapitulative. Et ben vous prenez. Une feuille, une grande feuille a 4 ou n'importe, et vous notez du premier cheval jusqu'au dernier cheval. Par exemple, vous voyez là devant vous le 13, le 16, le 9, le 3, le 15, le 5, le 6, le 10, le 14, le 8, le 12, le 2, le 4, le 11 et le as. Voilà, soyons clairs et nets. Euh, passons, vous notez ça sur une feuille. Passons à la douzième partie. Allons-y. Donc, euh, voilà. On a noté, après avoir noté comme ceci, notre liste, euh, maintenant, on va venir prendre le premier numéro. Le premier numéro, c'est quoi C'est un numéro impair. Les numéros impairs c'est les numéros qu'on ne peut pas diviser en deux. Ça veut dire qu'on va diviser en deux, ça va nous donner virgule. Par exemple, le ⁇ -as, le 3, le 5, le 7, le 9, le 11. Tous ces numéros-là, si on divise, ça va nous donner virgule, un virgule. Et les numéros pairs, c'est les numéros qu'on peut diviser en deux. Par exemple, le 2, si on divise sur 2, ça donne As. Ça ne donne pas de, virgule, euh, pas de virgule, ça donne le As. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. C'est ça. Donc, puisque le premier, il s'agit d'un numéro impair, ben on va y aller en fonction. Ça veut dire qu'on va prendre le numéro impair qui est là. Le 13, on descend. On tombe sur le 9. Numéro impair, le 3, le 15, le 5, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Ben, on va noter euh, comme ceci. On vient, on va faire notre tableau. Alors, le 13, en bas, il y a le 16, c'est numéro impair, euh, numéro pair, donc on ne note pas. Le 13, on descend, le 9, voilà le numéro 9. En bas du 9, le 3, c'est un numéro impair, donc on note. En bas du 3, le 15, c'est un numéro impair, on note. En bas du 15, le 5, impair, ça tombe bien, on note. Et puis là, c'est impair, on ne prend pas, on ne prend pas, on ne prend pas. On ne prend pas, on ne prend pas, on ne prend pas, on ne prend pas le 11, l'OAS. Voilà. On a noté tous les numéros impairs, mais en ordre. En ordre. Comme ils sont sur la liste. En ordre, vraiment en ordre. Donc, on a commencé par le 13 et ainsi de suite. Le 13, le 9, le 3, le 15, le 5 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Vous prenez le, les numéros impairs. Maintenant, on va passer au numéro pair. Les numéros pairs, moi je les mis là en bas. Donc, le numéro le premier numéro pair, c'est le numéro 16. Donc, on prend le 16, on le met là, le 16. Le 9, le 3, le 5, le 6. Le 15, le 5, le 6, le numéro 6, numéro pair, on note. Après le 6, il y a le 10, c'est un numéro pair. Et puis il y a le 14, c'est un numéro pair. Et puis il y a le numéro 8 aussi. Voilà. Et puis il y a le 12. Et puis il y a le 2, numéro 2. Et puis il y a le dernier, c'est le 4. Voilà, donc on a noté par ordre les numéros impairs et les numéros pairs. Ok, maintenant moi, ce que je fais, je fais souvent un petit tableau. Je fais un trait comme ça. Voilà, comme ça, comme ça. <laughs> Et je compte 1 2 3 4 5 j'arrive jusqu'au 5 voilà donc ça me laisse 5 chevaux en haut et 5 chevaux en bas les 5 chevaux impair en haut et 5 euh, en bas pair maintenant par cette méthode. Là, il euh, y a une autre, une deuxième méthode qui vient s'impliquer, mais sinon la vidéo sera vraiment trop euh, long. Je ne peux pas venir vous euh, donner ça de suite. Et je, me concentre, euh, je me contente juste de la première partie. Maintenant, euh, là, on va faire un trait sur le cinquième. Comme ça. Voilà. Alors, là maintenant, souvent, souvent vous arrivez vous avez l'arrivée dans les cinq premiers là les vraiment les cinq chevaux là il est cinq bas. écoutez bien ce que je dis les cinq chevaux qui sont là il est cinq bas. souvent souvent dans les cinq là on a trois chevaux et dans les euh, quatre là on a deux chevaux, on trouve deux chevaux. La plupart du temps. Ou des fois, on a quatre même dans les cinq là. Et un, il sort de là, dans les cinq d'en bas. Euh, ça peut arriver l'inverse, des fois, mais c'est rare, c'est vraiment rare que ça arrive. C'est vraiment rare. Euh, maintenant, euh, euh, comme j'ai dis, ça peut arriver l'inverse. Ça veut dire qu'on trouve ici, dans le, la deuxième ligne, trois chevaux et en haut, deux chevaux. Mais ça arrive, mais vraiment rare. Donc, le quintet, il reste souvent dans les dix chevaux, là, que vous voyez devant vous, là. Les cinq d'en haut et les cinq d'en bas. Maintenant, c'est rare, c'est vraiment rare qu'on ça sort et que ça vient là. Lui, il vient. Le sixième position des numéros impairs de temps en temps lui il vient c'est pour ça que je dis un taux de réussite de euh, euh, 65 à 70% donc euh, voilà parce que ça nous sort des des chevaux donc ici là vous avez tout le temps trois chevaux et ici vous avez deux chevaux je peux vous aider lui en deuxième ligne que ça soit père ou impair, lui en premier, c'est rare qu'il vienne. Ça, il vient, mais c'est vraiment rare. Donc, vous pouvez même l'éliminer. On est bien d'accord. Lui en cinquième position, que ça soit paire ou impair, en douzième ligne, je parle uniquement de la douzième ligne, de cette ligne-là, euh, c'est rare qu'il vienne. Donc, vous pouvez prendre le risque de, de temps en temps et vous pouvez l'éliminer. Donc voilà, lui et lui. Donc il nous reste ça, ça et ça. Voilà, il nous reste déjà trois chevaux à faire monter aux cinq qu'on a là. Si on a les trois chevaux là, euh, ici on tombe direct sur deux chevaux et donc voilà, on a le quinté. Regardez, on a quand même réussi, réussi à éliminer le numéro 12, le numéro 2, le numéro 4, le numéro 1, le numéro 11, le 8, le 16. C'est énorme. Si on les compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a enlevé 7 chevaux parmi 15 partants. C'est énorme, ça vous aide énormément. Et là, franchement, là, avec un peu d'intelligence, vous pouvez prendre les 5 chevaux même ici. Et vous rajoutez deux chevaux de là et boum, vous pouvez vous croiser avec euh, l'arrivée. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a une autre méthode qui vient s'ajouter, qui vient vraiment s'ajouter. Mais euh, la vidéo elle sera vraiment long, donc je ne peux pas procéder de suite. Si vous voulez la deuxième méthode, je viens, je vais faire un carreau sur lui, le 10 et un carreau sur lui. Et pour moi, il y a un à l'arrivée, forcément, sur clair net, il y a un à l'arrivée. Mais cette méthode, ça vient de l'extérieur, donc je ne peux pas vous la coller maintenant, ça ne sera pas possible, sinon vous allez vous perdre. Peut-être qu'on reviendra plus tard euh, pour euh, la deuxième partie. Je suis d'accord, laissez vos commentaires et euh, on euh, verra. Pour les personnes qui ne comprennent pas le français, je suis vraiment désolé, mais il se peut même que plus tard on, on, on pourra refaire cette vidéo bien mieux que ça même et donner plus de détails. Donc voici votre quintet méthodique. Cette méthode appliquée là en athlète, uniquement en athlète. On a bien évidemment d'autres méthodes en plat, en haie, en steeple cheese. Voilà. Donc, euh, portez-vous bien, j'espère que ça vous sera utile. Euh, notez euh, aussi, euh, comptez déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Euh, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Je fais souvent un trait comme ça. Et je mets un point sur lui et un point sur lui aussi. Si je prends le 14, le 8, là, les carreaux, c'est le 10, le 8 et le 14. Donc, euh, un tocard de la course, il est là pour moi. Vous comprenez Donc, euh, j'espère que ça a été clair, la méthode. J'espère vraiment que ça a été clair pour vous. Euh, si vous n'avez pas compris euh, quelque chose, bah, vous pouvez laisser un commentaire. Je serai là pour y répondre. Peut-être que je peux améliorer même la vidéo, euh, faire une autre même. Et puis euh, voilà, on essaye de vous aider le mieux possible et de ce qu'on peut bien, bien évidemment. Maintenant, euh, moi personnellement, je travaille avec cette méthode, mais il y a une deuxième, une autre deuxième méthode aussi euh, qui fait partie de nos méthodes pronokinthé méthodiques, qui vient s'ajouter à celle-ci. Et bien évidemment ça donne de bons résultats je vais pas vous, vous euh, dire ça je peux vous dévoiler ça mais ça sera pour plus tard donc euh, merci de lâcher un pouce bleu si vous avez aimé, aimé cette vidéo commentez euh, on est là pour vous, vous répondre hein, euh, on est dispo pour vous répondre si vous n'avez pas compris quelque chose et eh ben portez vous euh, euh, bien et euh, voilà ça c'était pour aujourd'hui le 6 août 2020 voilà comme ça pour les gens qui viennent plus tard regarder cette vidéo ils peuvent y aller chercher l'arrivée et euh, ils voient est-ce que ça colle vraiment ou pas donc euh, au revoir à la prochaine vidéo ça c'est ça fait partie de nos petites méthodes qu'on a est méthodique donc vous pouvez vous en servir il n'y a pas de souci c'est donné c'est gratuit au revoir, portez-vous bien, bonne chance.